Pour atteindre les objectifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale que vise la réforme et la modernisation de l'administration publique, voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni le jeudi 23 mars 2023 à l'hôtel du gouvernement les secrétaires, inspecteurs et directeurs généraux de l'administration publique dans un atelier préparatoire de la conférence sur la révisitation et la fixation des cadres organiques des services publics de l'État. Au même moment que se déroule l'opération d'identification biométrique des agents sur l'ensemble du territoire national, vous êtes venu ici pour être outillés afin d'être en mesure de rendre possible dans vos secteurs respectifs l'accomplissement de ces nobles objectifs gouvernementaux. Il sera en effet question de vos capacités sur le schéma méthodologique et organisationnel, de fixation des cadres et structures organiques, ainsi que des référentiels des emplois et des compétences de vos services respectifs. Selon les secrétaires généraux, le cadre organique reste un outil important pour la maîtrise des effectifs. Ce message nous pousse, nous autres de l'administration publique, à pouvoir faire notre la vision du chef de l'État qui consiste à la maîtrise des effectifs ainsi que de la masse salariale. C'est un outil très important pour une bonne gestion de l'administration. Il faut un très bon cadre organique parce que au sein de l'administration, on constate qu'il y a des chevauchements entre les directions. Le cadre organique, c'est l'outil qui nous permet de bien travailler. C'est le premier outil d'ailleurs, parce qu'avant qu'on crée un service, il doit avoir un cadre organique. Avant même qu'on affecte les gens. Or, nous avons des gens qui sont même affectés sans cadre organique. Les secrétaires généraux ont 30 jours pour préparer le projet de cadre organique à défendre lors de la conférence prévue au mois de mai prochain.